Hola. Aujourd'hui, on va parler ensemble de tout ce qui est études psycho et études supérieures en règle générale. En ce qui concerne mon petit parcours scolaire, j'ai un bac L, une licence dans tout ce qui est métier du multimédia et de l'internet, et j'ai fait un DUT MMI pour ceux qui connaissent. Et ensuite, j'ai arrêté les cours pendant 1 an et demi, 2 ans, et là, j'ai repris à zéro en faisant une fac psycho. Donc, on va passer directement aux questions, je sais qu'il y en a pas mal. Bref, on y va. Première question de Léa qui me demande quelle matière tu étudies, tu comptes te spécialiser en quoi après ta L3. Donc je vais vous dire ce que j'étudie comme matière, mais il faut savoir que c'est propre à chaque université. Tu dis pas forcément les mêmes choses, enfin de façon globale si. Bon, en tout cas, je vais vous dire ce que j'étudie à la mienne. Donc je suis à la fac du Mirail, hein, Jean Jaurès. C'est pas la meilleure fac, je vous avoue tout. Les cours me plaisent. En gros, j'avais 7 UE. Donc les UE, c'est ce que vous devez valider à la fin de l'année, c'est sur quoi vous avez des partiels. Donc en tout, j'ai eu 7 partiels. Première UE, c'était histoire de la psychologie et ses idées, qui comprend développement cognitif, social, clinique. Donc je pense que ce que j'ai préféré dans cette année-là, je pense que j'ai préféré la clinique, même si c'est ce que j'ai le plus foiré au partiel, je pense. Et j'ai mieux réussi le développement mental, alors que je crois que c'est ce qui m'insupporte le plus à étudier. Ensuite, j'ai méthodologie, analyse des données, donc ça c'est une matière mathématique. C'est vraiment avec des formules, avec des choses à apprendre, enfin bref, c'est vraiment le côté très maths avec les stats et tout ça, les moyennes. Ensuite, en discipline associée, j'ai pris découverte de la sociologie. Il y avait le choix entre découverte de la sociologie, langage et langue, donc anglais, et français niveau 1. Je pense que j'aurais peut-être dû prendre français niveau 1 parce que j'ai fait découverte de la sociologie qui est donc au F7, mais ça reste de la socio et à recracher, c'est pas forcément ce qui me plaît le plus. Théorie de la socialisation. Après, ça dépendait de ce que vous voulez faire, etc. Bon, je vous expliquerai ça au fur et à mesure. Ensuite, j'avais accompagnement du projet étudiant. Ça, c'était une matière random, genre j'ai passé mon partiel, j'étais en mode c'est une blague, j'ai pas compris. En option, moi j'ai pris socio-économie de la famille, c'est pas forcément non plus ce qui va. J'adore, en fait j'adore ce genre de matière, mais à l'écrit j'ai vraiment beaucoup de mal à exprimer mes idées, et c'est bien ça le problème. En fait c'est des matières où je peux parler des heures dessus, mais faire des devoirs dessus, écrire des heures dessus, je suis en mode ça me saoule. Et un dernier, méthodologie du travail universitaire, et là c'était un dossier à faire. Trouver des hypothèses, créer une méthodologie autour, tout ça sur nos hypothèses. Penses-tu que pour être psychologue, il faut absolument être bien dans sa tête, avec soi-même et être en phase avec tout ça? Alors moi j'ai toujours entendu que les études de psycho c'était les études qui sortaient vos vieux squelettes du placard, c'est-à-dire que tous vos traumas, tout ce que vous avez vécu, bah en fait en psycho vous allez devoir finalement les revivre parce qu'on va étudier des choses qui vont plus ou moins vous toucher en fait. Et autre chose à prendre en compte que j'ai souvent entendu, il y a 3 types d'élèves en psycho, il y a ceux qui savent pas pourquoi ils sont là mais ils sont là, il y a ceux qui sont là pour essayer de mieux se comprendre soi-même, et il y a ceux qui sont là parce qu'ils sont réellement passionnés par la psycho. Et du coup voilà, quand vous allez en psycho c'est pour apprendre à vous connaître vous-même en fait, ça va vous saouler parce que vous allez voir qu'on voit tellement de choses qui ont aucun rapport avec vous-même, que pour avoir ce petit bout de vous-même, va falloir bosser des années pour... Après, peut-être que vous allez être passionné en chemin, mais c'est vrai que quand vous y allez pour apprendre à vous comprendre vous-même, c'est moins passionnant que si vous y allez parce que vous êtes passionné de base. Donc, pour répondre à la question de ce que j'ai entendu, et ça, je peux pas vous le dire parce que je ne suis pas psychologue, l'empathie et tout ça, on apprend à le gérer au fur et à mesure. Faut faire quoi comme étude? Alors, moi, je vous conseille plus un bac ES, voire un bac S pour ces études-là, et il y a vraiment beaucoup de maths, mais il y a une question qui va parler ça plus tard. Vous pouvez faire n'importe quel bac, vous pouvez venir de n'importe quel bac, il n'y a pas de bac obligatoire, etc. C'est vraiment en fonction de vos envies, de vos notes, etc. Vous pouvez même venir d'un bac pro. Le niveau sera peut-être plus dur, mais si vraiment vous mettez tout de votre côté pour réussir, bah franchement, avec la motivation et la passion et qu'il y a derrière, vous pouvez vraiment très bien vous en sortir, même si vous venez d'un bac pro ou d'un bac L ou autre bac. Du coup, quelles sont tes matières étudiées et quelles sont celles que tu as préférées? Donc, je vous ai déjà dit mes matières, celles que j'ai préférées. Je pense que ça a été clinique, pas forcément social, ou S1, ou S2, je préfère, mais au S1, c'était pas ouf. J'ai vraiment beaucoup aimé tout ce qui était découvert de la socio parce que ça parlait énormément de tout ce qui était féminisme, ça m'a fait prendre conscience de taquet de choses. Et c'est pour ça que depuis peu je suis encore plus féministe que je l'étais avant, en sens avec des données réelles, genre je sais de quoi je parle parce que j'ai vraiment étudié 200 pages sur le féminisme et le social, je suis bien rodée sur le sujet, et c'est pour ça que j'ai vachement plus de répartie sur ce sujet que j'en avais avant puisque j'ai plus de connaissances. Franchement c'est ouf, faudrait que je vous fasse peut-être l'histoire du féminisme si ça vous intéresse, le combat qu'il y a eu derrière, franchement de quoi on est parti, où on en est aujourd'hui et tout, mais c'est incroyable. Et clairement ça me fait assez chier de me dire qu'il y a des femmes qui crachent sur le féminisme alors qu'elles profitent de tout ce que le féminisme a apporté jusqu'à aujourd'hui, genre elles jouissent des droits que les féministes se sont battues pour avoir, elles crachent dessus et j'arrive pas à comprendre pourquoi, genre. Faut-il s'inscrire sur Parcoursup pour suivre sa licence à distance? Alors moi la première année je pensais que non, du coup je suis allée un peu en mode pop it up, et en fait oui. Alors du coup vous vous inscrivez comme une personne normale, vous dites juste que vous allez à distance, et ensuite bah ça se fait tout seul. Alors par contre j'ai la petite feuille là avec les tarifs, parce que vous m'avez beaucoup demandé les tarifs. Donc personnellement j'ai tout pris à distance, c'est-à-dire que j'ai pas de CM, j'ai pas de TD, j'ai rien, je suis à distance complètement. Ça veut dire que j'ai droit d'aller en CM, mais tout le monde a le droit d'aller en CM, mais vous pouvez vous inscrire à quelques TD s'il y a des TD qui vous intéressent plus que les autres, donc vous payerez
mais pas le TD, vous aurez lu, etc. Le seul avantage d'être à distance comme je suis, c'est que moi j'ai vraiment que 7 partiels à la fin de l'année, genre bookés, alors que quand vous êtes en TD ou en formation en continu, c'est-à-dire que vous pouvez avoir des pré-évaluations, c'est-à-dire que vous allez avoir plusieurs notes au final, et c'est peut-être plus facile que d'arriver à la fin et se dire bon, c'est soit je me plante, soit je me plante pas, mais bon, on y va quoi. Mais ça dépend encore de chaque personne. Donc pour les non-boursiers, si vous prenez plus de 4 UE à distance, c'est 196€. Vous pouvez faire plusieurs cursus en même temps, c'est 222€ pour le double cursus. Si vous êtes boursier, c'est 98€ si vous prenez plus de 4 UE. Du coup, j'ai payé mes 200 balles de distance, plus mes 200 balles de la fac, plus mes 90 balles de CVJ. C'est, je sais pas, qui me sert à rien parce que je suis à distance. Flavie me demande si je suis sûre d'avoir un métier à la fin de mes études. Alors, bien évidemment, je vais te répondre, malheureusement, comme toutes les disciplines que tu fais dans ta vie, pas beaucoup de chance que tu travailles dans ce que tu fais tes études. Enfin, on est arrivé dans un monde où c'est hyper dur le marché du travail, que ça soit pour n'importe quel taf, ça dépend ce que tu veux faire. Si tu me dis j'ai envie d'être psychologue, avoir mon petit cabinet, etc., oui, ça serait dur. Si t'as envie d'être psychologue en entreprise ou psychologue, etc., etc., non, ça sera pas forcément dur, mais ça dépend de ce que tu veux faire. Donc, oui, tous les métiers sont bouchés en fait aujourd'hui. Moi, ma mère m'a interdit de faire psycho à l'époque parce qu'elle me disait que c'était bouché. Au final, je me retrouve avec des compétences, avec des études qui m'ont aussi proposé un truc bouché. À part si tu veux vraiment faire chirurgien esthétique ou des trucs du genre, je pense que je sais même pas, je peux pas, même pas vous avancer parce que j'en sais rien du marché de travail là-dessus. Mais je veux dire que psychologue, oui, c'est un métier bouché, c'est des études bouchées. À partir de là, on fait quoi? On fait des trucs qu'on n'aime pas juste parce que c'est bouché et qu'on n'a pas envie de prendre de risques. Après, c'est chacun, encore une fois, son choix de vie, mais personnellement, j'ai préféré faire ce que je voulais, enfin, faire ça, même si c'était bouché, qu'on m'avait dit fais attention, bah on verra bien. Pour l'instant, j'en suis pas là. Du coup, qu'envisages-tu par la suite? On m'a dit que psycho, c'est très bouché en ce moment. Alors voilà, c'est pas en ce moment, moi, il y a 5 ans, on me disait que pareil. Alors moi, ce que j'envisage, donc, c'est de faire, on va dire, dans l'idéal, hein, tout se passe bien à la perfection, ce qui ne sera peut-être pas le cas, j'espère que oui, mais on n'en sait rien de tout ce qui peut se passer en toutes ces années. Donc, 3 ans, la licence. Ensuite, à la fin de ma licence, je verrai dans quoi je me spécialise, parce que pour l'instant, j'en sais clairement rien. Ensuite, je fais mon master, évidemment, ça va bien, et au bout de ces 5 ans, vous pouvez bosser. Pour être psychanalyste, il faut faire des stages, etc., enfin bref, il y a plein de choses à faire pour avoir des spécialisations après. Tu marches sur mes feuilles, je te dis rien. Donc, dans le plus beau des mondes, j'ai mon master en 5 ans. J'ai envie, en parallèle, de faire le DU en sexologie. Donc, à ce que j'ai compris, c'est pas des cours tous les jours, c'est des cours, un cours par mois ou un truc du genre, enfin bref. Du coup, pendant une année, bosser plus faire mon DU en psychologie, donc la première année, je crois que c'est sur 2 ans. Ensuite, j'ai envie de reprendre pour faire mon doctorat, c'est-à-dire que c'est 7 ou 8 ans, et je finis mon DU. Ça veut dire qu'à la fin de mes 8 années d'études, je suis censée, si tout va bien, pouvoir faire sexologue et prof de psycho en université. Voilà, ça serait vraiment mon goal de vie. Genre, je sais pas, genre ça me tente de ouf pour l'instant. Après, on verra, il peut se passer plein de choses dans ma vie. Je suis désolée, les adolescents, ça m'intéresse pas plus que ça. Genre, peut-être que je le ferai, mais je préfère faire vraiment tout ce qui est couple et amour. C'est mon truc que je préfère, donc on verra comment ça se passe pour l'instant. J'en suis qu'en première année, donc. Et là, vous allez me dire, mais Léa, dans 9 ans, là, tu vas avoir 34 ans et tout, t'auras fini tes études à 34 ans. Vous allez voir quand vous allez avoir mon âge, c'est-à-dire là, 25 ans, vous allez pas du tout vous sentir vieux. Et 30 ans n'est pas vieux du tout. À 34 ans, tu peux être prof. On voit des profs qui sont plus âgés et je me dis, c'est peut-être 10 ans d'études, mais j'aurai que 34 ans quand j'aurai fini mes études entières. Ça veut dire qu'avant, je peux bosser et tout ça, et à 35 ans, bah, faire de nouvelles choses dans ma vie, c'est-à-dire être prof, j'aurai que 35 ans. Quand vous avez 25 ans, vous n'avez pas du tout la même approche de la trentaine. Et voilà, c'est pour ça que je vous dis, ne vous prenez pas la tête. Vous avez le droit de faire des erreurs, hein. Essayez de trouver un truc qui vous plaît vraiment. Et si vous le trouvez, vous pourrez faire des années d'études. Peut-être 9 ans d'études sans que... Voilà, parce que j'étais la première à dire quand j'étais gamine, oh, mais imagine 9 ans d'études, tu sors de l'école et tout, t'es comme ci, comme ça. Mais dans les 9 ans d'études, tu restes pas à l'école, hein. Tu fais plein de choses à côté. Enfin voilà, c'est dispatché, t'as une vie entre, hein. T'es pas juste assis du matin au soir devant ton petit tableau en train de dire, oh là là, pendant 9 ans. Mais vous le verrez en grandissant sûrement aussi, enfin je l'espère. Et voilà, vous prenez vraiment pas la tête pour l'âge et les études. Coucou. Du coup, j'aimerais savoir si tu regrettes les études que tu as fait avant la psycho et si tu pouvais revenir en arrière, quelle étude aurais-tu choisi après le bac? Alors, BTS, c'est plus niveau un peu lycée, les profs qui vous suivent, etc. DUT, c'est le mélange entre le BTS et la fac pour moi, c'est-à-dire que vous devez être présent en cours, mais que c'est toujours l'ambiance un peu grand-fille, etc., avec des gros cours, etc. Et la fac, c'est totalement random, donc la fac, c'est tu y vas que si t'en as envie, genre vraiment pour aller à la fac, faut vraiment être hyper motivé, être vraiment genre, parce qu'il y a personne qui vous tient la main à la fac en mode, vous êtes adulte, si vous avez envie de faire des études supérieures, vous y allez tout seul, vos profs vous rendez pas un dossier, ils disent ok pas de soucis, ils sont pas à vous engueuler, vous dire c'est pas bien, tu devrais le faire, etc. Tu le fais pas, ils s'en battent les couilles. Alors qu'en BTS c'est un peu plus tenu par la main, donc si vous avez du mal à vous organiser, que vous aimez bien le style de niveau étudiant, je vous conseillerais le BTS. Si vous aimez vous êtes un peu dans les deux, vous faites le DUT, c'est ce que j'ai fait en premier, et après bah la fac c'est plus libre.
Alors, si je devais retourner en arrière et me demander ce que je fais après mon bac, je ne regrette absolument pas mes choix d'études. Si je devais le refaire, je recommencerais. Sachant qu'en plus de ça, quand j'ai demandé le DUT, genre vraiment tous mes profs m'ont dit non, non. J'ai eu défavorable sur tous les bulletins parce que tous mes profs me disaient non, il faut que t'ailles en BTS, il n'y arrivera jamais en DUT. Finalement, j'ai eu mon DUT et ma licence et finalement aujourd'hui, je suis en psycho. Enfin, franchement, j'ai mes années de lycée, je les ai vraiment là, j'ai vraiment mal vécu tout ce qui a été enseignement scolaire. Aujourd'hui, avec le recul, je voyais vraiment qu'il y avait du favoritisme, il y avait des choses qui n'ont pas été cool. C'était en fonction des têtes, des visages, etc. Il y avait des gens, genre, dans ma classe, ils étaient tellement léchés par les profs et ça me saoulait parce que j'ai toujours eu horreur de la justice. Bref, le lycée, ça a été un enfer pour moi. DUT, ça a été la meilleure chose qui m'est arrivée dans ma vie puisque j'ai pris de la liberté, etc. Et finalement, j'en suis là aujourd'hui à continuer mes études et puis du coup, je trouve ça une belle revanche sur tout ce que mes profs m'avaient dit en mode non, tu arriveras pas, nanana. Enfin, à quel moment des profs vous disent ça? Enfin, aujourd'hui, à mon âge, si je me retrouvais face à ce genre de situation avec mes enfants, mais je crois que je pèterais un câble. Après, ils disent oui, mais c'est parce que c'est pour toi, etc. Mais non, mais au pire, laissez faire les gens. J'ai jamais vraiment pris les chemins qu'on m'a obligé à prendre, j'ai toujours fait comme ci comme ça et au final je m'en suis toujours très bien sortie. En fait, à part vous faire perdre confiance en vous et perdre confiance en vos capacités, ça mène à rien. Donc si vous avez envie de faire un truc, nique, hein, vous écoutez pas ce qu'on vous dit, faites-le et si ça vous plaît pas, au pire vous aurez perdu une année, mais c'est pas grave. Faites ce que vous avez envie de faire. Parce que vos profs c'est pas vous et c'est pas eux qui vont vous faire bouffer plus tard, c'est vous-même. J'ai vraiment mal vécu le lycée. Mais si je devais refaire mon parcours, je referais mon DUT parce que mon DUT ça a été les 3 meilleures années de ma vie, 4 meilleures puisque j'ai pas eu ma première année, vu que j'ai redoublé ma première année. Parce que moi la première année j'ai la fête et je regrette pas non plus, je regrette en rien et je pense que si j'avais fait mes études de psycho à la suite de mon bac, j'aurais pas eu la maturité que j'ai aujourd'hui et je pense que c'est des études qui demandent quand même pas mal de recul dans la vie. Les maths sont-ils pris en compte lors de la demande pour aller en fac de psycho? Enfin, je sais pas du tout comment ça se passe en fait, je suis pas du tout le dossier, enfin, je suis pas l'algorithme. Je sais que cette année l'entrée en psycho a été plus compliquée que les années avant. Les années avant, tout le monde pouvait rentrer et là ça a été un peu plus random puisque je sais qu'il y en a qui ont été refusés alors que moi, il y a combien de temps que j'ai passé mon bac? 6 ans. On était tous acceptés en fac de psycho aujourd'hui. Je sais que les maths sont très importants et c'est vraiment pas une matière qu'il faut négliger. Donc voilà, si vous êtes vraiment rebuté des maths, je suis désolée, mais la psycho c'est pas forcément ce que je vous conseillerais le plus parce qu'il y en a beaucoup. Moi j'adore les maths, j'ai fait un bac L mais j'adore les maths. Pour l'instant, à mon niveau ça va, mais je pense que plus les années vont passer, plus les maths seront un peu plus difficiles. Pourquoi tu veux te lancer dans ce domaine? Eh bien parce que j'ai un cheminement qui fait que franchement, je ne regrette en rien toutes les étapes de ma vie. Enfin, moi j'ai un peu tâtonné partout. Je suis allée à l'époque en BEP couture, donc j'ai fait ma première année de BEP couture et puis je me suis aperçue que c'était cool, mais que ça me cassait les couilles parce que j'adore apprendre de nouvelles choses et que j'adore réviser. Donc je suis repartie en général, j'ai fait un bac L, sachant toujours pas ce que je voulais faire. Ensuite je voulais aller dans une fac d'art, mais comme mon copain habitait à côté de Toulouse et que je voulais pas aller trop loin, je suis partie à Castres faire du coup le DUT à mamie. C'était vraiment très cool. Enfin non, les études étaient vraiment à chier. Je vous déconseille le DUT à mamie. Je suis désolée à tous qui ont à tous mes profs de DUT à mamie qui étaient incroyables, mais je ne vous conseille absolument pas ce DUT. Ensuite j'ai fait YouTube en parallèle. Chance de pouvoir en vivre, de pouvoir être avec vous, de pouvoir parler avec vous et de développer du coup ma chaîne sur ce sujet-là. C'était pas du tout prévu à la base, je me suis lancée sur YouTube moi à la base parce que on me l'a demandé, enfin j'avais mon blog et on me l'a demandé. Et au final, bah c'est grâce à vous, à YouTube, à tout ça, à ces années de réflexion, bah que je me suis dit que oui, en fait j'avais vraiment envie de faire ce taf là et que j'étais passionnée par le comportement humain et je pense que j'ai trouvé ma voie. Et c'est bizarre de me dire ça parce que je me suis toujours cherchée. Je me suis toujours dit ah là là, qu'est-ce que je veux faire, nanana, j'avais l'impression de faire des choix par dépit en me disant mais tu seras jamais passionnée par ton taf. Et là je me dis si en fait j'ai trouvé ma voie, j'ai 25 ans. À l'heure actuelle, c'est là où je dois être et franchement je peux pas rêver mieux que faire mes études et je trouve ça hyper trop bien et hyper trop cool et c'est pour ça que je suis hyper passionnée quand je vous en parle parce que je pense que j'ai trouvé qui me correspond. Après on verra, ça peut toujours changer, mais à l'heure actuelle pour mon parcours de vie j'aurais pas souhaité mieux que ce que j'ai aujourd'hui. Dans tout ce que j'ai fait dans ma vie, si on me dit à 15 ans qu'est-ce que tu veux faire plus tard, bah j'aurais même pas imaginé en être là aujourd'hui et j'aurais vraiment imaginé plus bas et finalement j'ai visé pas juste parce que j'ai fait plus que ce que j'avais prévu de faire et je trouve ça incroyable. Je trouve ça incroyable la vie. Voilà. As-tu beaucoup d'heures de cours par semaine? Alors je crois qu'en fac de psycho il y en a pas tant que ça, je sais pas, je suis pas en présentiel, mais moi à distance je sais que je bosse minimum entre 2 et 3 heures par jour, ce qui laisse le temps pour taffer à côté si vous avez un taf étudiant. Moi pour le coup mon taf étudiant qui n'est plus un taf étudiant mais qui est un taf à plein temps, c'est vous. Je suis youtubeuse à plein temps, c'est mon salaire, c'est mon revenu. Alors oui, je ne gagne pas beaucoup d'argent parce que je ne suis pas une grosse youtubeuse comme des gros youtubeurs, et si je fais une moyenne à l'année je gagne environ 1 400 € par mois, parce que bien évidemment ça fluctue, il y a des mois où vous gagnez bien et des mois où vous gagnez pas beaucoup. Surtout moi à mon niveau, quand je gagne pas beaucoup ça peut être 300 € dans le mois, mais comme je mets pas mal de sous de côté et que je m'en sors très bien dans mes économies, pour l'instant à l'heure actuelle en première année de licence,
tout se passe bien entre YouTube et mes études. J'arrive à très bien gérer le truc. Est-ce qu'il faut du coup se débrouiller en anglais? Alors je vais te dire oui, parce que, en plus c'est ce qu'elle nous a dit la première fois qu'on est venu, parce qu'en fait il y a pas mal de textes qui sont en anglais, d'analyses qui sont en anglais, de choses qui ont été faites. Enfin, la psychologie en France c'est cool, mais c'est pas forcément les pionniers. Enfin, il y a eu des pionniers en France, mais par exemple vous prenez Freud, il est juif et ça a mis beaucoup de temps à venir en France la psychanalyse à cause des problèmes de langage, etc. Donc oui, c'est bien de se débrouiller en anglais. Trop rapide. J'essaye de pas parler trop vite, mais vu que j'ai beaucoup de choses à dire et je me dis que je veux pas non plus que ça dure 1000 ans, je sais qu'elle va durer super longtemps, donc je parle un peu vite. Au pire, vous mettez en ralenti la vidéo. Voilà. Quels sont les débouchés? Alors là, j'ai pris un petit truc sur internet, parce que moi j'en sais rien, puisque je veux faire psychologue, je me suis pas trop renseignée. Je vais vous donner les débouchés, après si ça vous intéresse, vous allez chercher le cursus, parce que des fois c'est pas forcément les 5 ans. Tout ce qui est métier de l'enseignement et de l'éducation, vous pouvez avoir avec le bac plus 3. Conseillère d'orientation. Psychologue. En vrai, on a toujours détesté les conseillers d'orientation, mais moi j'ai toujours kiffé y aller. Franchement, c'est un taf que je pourrais faire. Il y a aussi tout ce qui est orthophoniste, avec les enfants et l'éducation, tout simplement en fait. Bon, bref, il y a pas mal de choses. N'hésitez pas, vous, à aller voir. J'essaierai de vous mettre l'article en barre d'infos si ça vous intéresse, mais vraiment, il y a pas mal de choses. Vous n'êtes pas obligé d'aller au bout des 5 ans si vous voulez faire d'autres choses. Comment se passent les partiels? Eh bien, moi je passe la même chose que les autres en fait. Bah, vous avez vos heures, vous allez à votre partiel, vous allez en amphi, vous essayez, vous mettez votre petite carte étudiante, vous remplissez votre formulaire. Ouais, genre, c'est pas les partiels sont pas à distance, hein. Faut y aller. Et en psycho, c'est des QCM. Non, moi j'adore les QCM. Par contre, en social, c'était de l'écrit. Du coup, voilà, je crois que j'ai bien réussi mes QCM, mais je crois que mon social, je sais pas. Genre, c'est soit bon, soit juste, j'en sais rien. Études à distance égale pas de bourse. Eh bien, non, études à distance égale bourse aussi, en fait. En tout cas, quand vous passez par la fac. Personnellement, j'ai pas les bourses parce que j'ai déjà un bac plus 3. Ça veut dire que je récupère mes bourses, pas cette année, pas l'année prochaine, mais l'année d'après. Qui sera plutôt cool parce que franchement, les 600 balles de fac, ça m'a un peu quand même foutu les boules. Si tout va bien en L3, je récupère mes bourses. Que conseilles-tu comme organisation? Je vous renvoie à la vidéo ici qui est l'organisation pour mes révisions et tout ça. C'est une vidéo qui vous a beaucoup plu. Voilà, si vous voulez savoir comment vous organiser en fac et tout ça, je pense que c'est le mieux, c'est ici. Cela te gêne pas de faire énormément de théorie et de pas faire de stage en psycho? En master, on a des stages en fait. Et puis franchement, enfin en psycho, si t'apprends pas la théorie, tu peux pas faire la pratique. Pour moi, c'est comme si tu fais un gâteau sans savoir la recette. Y a-t-il d'autres alternatives à la fac? Tout ce qui est école qui vous vend la formation psycho en 3 ans ou tout ce qui vous vend la formation sexologue en 2 ans sans faire de fac de psycho avant, c'est vraiment genre des trucs pour moi de charlatan, surtout que vous allez pas pouvoir exercer en fait. Si vous avez pas votre diplôme de psycho, genre après je crois qu'il y a des écoles privées, il y a pas forcément que la fac pour la psycho. Vous avez pas le droit de vous dire que vous êtes psychologue si vous avez pas le diplôme de psychologue, ce qui est normal. Vous pouvez pas faire être chirurgien sans avoir fait des cours de enfin pour être chirurgien, enfin ça c'est dangereux quand même. Imaginez, enfin pas parce que c'est dans la tête et qu'on peut pas vraiment analyser et représenter les choses que il faut mal les faire en fait. Le cerveau humain est très complexe. Je dis ça, c'est pas forcément pour répondre à la question, mais je sais qu'on m'a demandé déjà, donc oui, il vous faut un diplôme de psycho pour être psychologue. Il y a d'autres alternatives que la fac, à ce que j'ai compris. Je pense que j'ai tout dit, j'ai 40 minutes de rush, j'espère que je vais réussir à le cutter au max, mais vraiment c'est une vidéo complète, énormément complète, j'ai plus pas envie de me brimer, me dire fais que tant de temps, etc. Je préfère de vous dire tout ce que j'ai sur le cœur. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me demander d'autres sujets de vidéo en rapport avec la psycho, etc. Si vous avez d'autres envies ou d'autres questions, n'hésitez pas en commentaire. Si vous faites des études de psycho, n'hésitez pas à répondre vous aussi aux commentaires, aux questions où vous avez envie d'apporter des précisions. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à mettre un petit commentaire et à mettre un pouce en l'air, ça fait toujours plaisir et ça m'encourage. Et aussi merci à tous ceux qui prennent le temps de regarder les petites pubs pour me faire des petits dons de façon gratuite. Du coup, juste en regardant des petites pubs, ça me fait énormément plaisir. Sur ce, je vous laisse et je vous retrouverai dans une prochaine vidéo. Ciao.